On va abuser un peu de la sauvegarde. Le cycle complet de l'œuf avant de l'attaquer. Bah, j'ai vu qu'il faisait du blanc, jaune, enfin, j'ai vu... Je crois qu'il faudrait vraiment que je l'attaque au moment où... Je vais bien réessayer. Je sens qu'il est paumé notre ciel. Bah, en fait, les sondages, a priori, j'ai regardé, je peux pas faire de sondage. Il faut que je sois affilié ou quelque chose comme ça. Mais... écrasement en cours. Allez, il me dit écrasement en cours. J'ai pas vu, ça y est, ça recommence. Enregistrement en cours. Effectué. Ok, c'est bon. Oh, je suis pas vraiment paumé, c'est qu'il y a un moment, je vais finir par me dire, bon, alors ça, j'ai vu, ça, j'ai vu, ça, j'ai vu, je vais finir par retenir toutes les portes. Hein. Là, je tourne là. Au bout d'un moment, ça finit par venir. Hein. Mais... Il y avait un endroit avec une petite clé, donc ici, on est d'accord, je peux y aller. Non. Il me dit plus rien, il me parle plus le truc. Donc là, non. C'est bizarre. C'est pas le même, là. Qui est abonné sur son stream. Pouvoir faire un sondage. Je crois que c'est... il faudrait... En fait, c'est aussi parce que je stream sur pas assez de jours différents. Dans toutes les stats, pour l'instant, a priori, au nombre de personnes abonnées, c'est pas assez bien. Y a 4 critères à remplir, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça que je dis... bon là j'ai eu un mois de boulot intensif, donc le temps que je m'en remette, j'étais un peu KO en fait depuis quelques jours, attrapé la crève aussi en étant à Chibi. Et c'est encore un peu présent, du coup j'ai un peu la... Bon, je vais essayer là, je suis pas allé voir ce qu'il y avait après. Je peux pas l'avoir ce truc là... Il y avait quoi là? La fibre avant Noël, je vais pouvoir me mettre à streamer. Ah, ça c'est cool ça! Ah, je crois que la fibre, tout le monde. Oh! Un foutu œuf qui me manquait encore, dites donc. Donc je vais d'abord voir la porte qui est là. Donc, là, il y a une tête de. Un groin. Récupérer le morceau de clé. Bah, tout à l'heure, en fait, j'ai essayé, mais. Je suis tombé, j'ai fait un game over. Enfin, je me mets vraiment au bord de la plateforme. Mais c'était cool, Gordon, hier, ton petit déballage. J'ai loupé le début, du coup, c'est un lot que t'as chopé en... Et aller en Italie, j'ai cru voir ça. Petit lot de jeux rétro. Allez, hop, une autre quête. Grand trou de serrure. Du coup, là, j'ai pas la clé, là. Tout à l'heure, j'y suis. Non, bah non, tout à l'heure. Aïe aïe aïe, caramba! Bon, on va essayer de remonter sur la plateforme, j'espère que je ne peux pas tomber. Il te faut tous les morceaux de clé. Ouais, j'imagine. Si je me mets au bord là. Ah, putain! Pas trop au bord. c'est quel bord, ce bord là? Pas m'agripper, ça passe pas. Je peux pas m'agripper au bord de la plateforme. Ah, ça... ah j'ai plus de vie après. Ou alors faudrait que je fasse comme ça et que je revienne. Ah, peut-être. Trop borderline. Ben c'est cool, en tout cas, d'un ami français qui vit en Italie. C'est cool. Ah, ça fait plaisir quand il y a des trucs qui ressortent du grenier. Moi, c'est pareil, j'ai mon beau-frère. Ah, je peux pas l'avoir, là. Je peux pas faire un truc genre... Genre comme ça. Ah, j'ai fait zéro. J'ai zéro, j'ai plus de vie, donc... voilà. Et mon beau-frère, c'est pareil, qui m'a offert... Il avait une GameCube et une PS1 dans son garage avec quelques jeux PS1 défoncés, puis quelques jeux GameCube sympas. Bon, on est reparti. Comme quoi, les Game Over, j'en ai eu moins dans FF7, hein. Mine de rien. J'ai toujours peur parce qu'en fait, ça marque enregistré et pas chargé. Donc, je suis bien sûr chargé.
Alors. Donc oui, charger ça. Oui, ça va. Enregistrer, c'est pas toujours très rassurant, hein. Au niveau de la trad, il se bat trop ça. Mais en tout cas, merci à tous d'être là avec moi ce soir. C'est pas le skill du siècle, hein, mais. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous passez une bonne petite soirée, parce que moi, c'est toujours un plaisir, on se retrouve tous ensemble. Ça permet de papoter un peu rétro, pas de se prendre la tête. À part sur le jeu, hein. Ouais, Tomba vient de tomber, ouais. Alors, eux, non, 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 mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont un peu stupides, des fois, les cochons, là. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont traduit Tombi, un tomba par Tombi. Bizarre, hein, quand même, comme. Alors, du coup, je sais plus ce que je dois faire. Là. Bah, là, je peux pas y aller, forcément. Et c'est dommage qu'elle tourne pas la plateforme parce que ça aurait été bien, bien sympa. Voilà. Chercher l'œuf et le morceau de clé. Ouais. Le morceau de clé qui était dans le vide où il y a un autre. Tomba était un sportif et pour pas de soucis, ils ont mis Tombi. Ah, d'accord. Je pourrais pas trop aider car je ferai pas les 130 quêtes du jeu. Je l'ai fini et je le fais plus. Ah ouais! 130 ou moi j'aurais compté 140, il y avait 10 quêtes par page. Je suis revenu au début là. Je crois qu'il y avait 10 quêtes par page. Aïe aïe aïe, le coup du sourire, faudra que je le fasse. Hein. Le coup de la porte, le coup du. Je suis perdu. On est voir la petite porte. On passe sur FF8. Temps de jouer à un vrai jeu. Ouais, je sais bien, mais. Après. Ah, il a merdé. Après, c'est vrai que moi, c'est toujours ce que je me suis posé comme question quand. En fait. Moi, je. Enfin, quand je joue. Quand je joue pour moi. Bon, ben, du coup, je joue, quoi. C'est pas grave si j'y passe du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est. Oui, c'est bon, c'est passé. Et après, je me suis toujours dit, mais. Les gens, ils aiment vraiment voir des gens se faire chier comme ça, en live. Alors, après, c'est juste que. Bah, d'avoir différents niveaux de. Alors, blanc. Mais, je l'ai pas eu, là. Il monte en température et. Hop là! Non. Non, il veut pas. Hein. Je le fais au moment où il doit le faire, quoi. Non. On peut penser à Tombi Tomba. Ben, c'est exactement à ça que je pense, moi. Hein, mais tu avais reçu le colis dedans. Tu as la solution pour FF7 ou FF8, je sais plus. Si tu avais reçu le colis dedans, la solution pour FF7 ou FF8 ou. Parce que il y aurait une solution pour Tombi, non, tu veux dire, ou j'ai pas compris. Attendez, parce que du coup, il y a un autre bout de clé. Donc c'est de l'autre côté. Parce qu'en gros, par exemple, sur Heart of Darkness, je peux dire que ça me dérange pas, mais quand j'y joue, je vais y passer un moment. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure sur un niveau. Du coup, enfin, pas un niveau peut-être, mais il y a que la fin que j'arrive pas à passer. Mais une demi-heure sur un niveau, du coup, c'est pas. Enfin, moi, c'est pas grave, mais je me suis toujours posé la question. Je me dis, bon, c'est ça le stream. Hein, c'est pas ça en fait. Hein, le stream, c'est pas ça. Mais je me dis, mais moi, c'est comme ça que je joue, quoi. Ouais. Ça marche, El Morel, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas, c'est cool. Donc,
voilà, ici là il y avait un bout de clé. Le vieux, tu dois lui parler, il se brogera pas ton perso. Tu crois? Ah ok. Ici il devait y avoir un bout de clé que j'ai pris. En tout cas c'est cool, merci Elmorel. Bon, je vais déjà prendre le... L'œuf. Allez monte. Après je sais pas vous comment vous concevez le jeu, comment... Le jeu ou... Bon. Un œuf juste en haut de quoi? Parce que pantalon, j'ai pas un pantalon plus léger à mettre que ça. Je vais vérifier un truc quand même. Pantalon bondissant, non j'en ai pas d'autres. Pillon feuille. Impossible de l'utiliser ici, d'accord. Vu. Un papillon légendaire avec des ailes en feuilles. Super. Mais... Je me risque pas à essayer de l'attraper, hein. Je verrai plus tard. Ouais. Celui-là, c'est bon. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Je vais retourner voir le vieux. Si je me fais cramer, je me fais cramer. Faudra peut-être que je sauvegarde. Au pire, je me fais toucher une fois. Là, je peux pas redescendre. Il y a une grille en bas exprès pour pas redescendre. Je pensais la même. Si ça se trouve, le feu lui fait rien. C'est du décor. Vous croyez? Et on peut pas passer. On peut pas passer, non, effectivement. Le feu ne fait rien, mais on ne peut pas passer. Il y a un mur. Ah, je peux lui parler quand même. J'aurais aimé te dire que tout va bien, mais comme tu le vois, ce n'est pas le cas. Je me suis battu avec les cochons coma ces derniers jours. Ils ont fini par m'enfermer ici. Je ne peux pas sortir d'ici tant que le pouvoir du cochon qui m'a capturé est présent. Mission annexe. Enfin, c'est pas annexe, en fait, c'est... résumé sous forme de mission, mais... Brise l'œuf magique. Oh, t'en as de bonne, toi. Je suis désolé, mais peux-tu revenir lorsque le sort jeté sur cette pièce sera rompu? D'accord, je suis désolé, mais... D'accord, bon, bah, du coup, on va faire grand chose. Tellement le jeu, Osef, oui. Ouais, mais... Même si le feu peut rien me faire, je vois pas ce que je peux faire. Parce qu'au final, le cochon machin chose, l'œuf, mais l'œuf magique, ah, c'est le bout de clé. Voilà, ça sert à rien, la fontaine de jouvence. Alors, est-ce qu'il faudrait que je retourne voir le... Oh, où est-ce qu'il était, le cochon, dans sa pièce, avec le dessin sur le mur? Voilà. Oui, bien sûr. Va casser des œufs, mais rajoute du sucre, de la farine. Fais chauffer le four. Oui, c'est bon, je vais. Alors, est-ce que c'est là? On va aller voir, hein. Le cochon. En fait, je cherche le cochon. Non, pas le cochon. La souris. Non, oui. Avec le dessin de clé sur le mur. On va dire que c'est de l'autre côté. Ah, c'est quoi ici? Je sais déjà plus. On est mal, on est mal, on est mal. Ah, un bout de clé. Bon, je vais aller sauvegarder. Quitte à revenir au début. Bon, de toute façon, je peux pas... Je vais aller sauvegarder, quitte à revenir juste au début. Je vais aller voir l'œuf magique, mais j'ai des doutes. Normalement, oui, j'ai pété tous les œufs normaux. Oui, là, je peux descendre. Je vais juste aller au début. Oui, je peux y aller encore une fois. Voilà, là.
Voilà, le début est juste là en fait. C'est ce que je voulais. Voilà, comme ça. Enregistrer, oui. Tous les œufs normaux, logiquement, oui, ils ont été faits. Mais il manque un bout de clé. Celui qui est dans le vide. Là. Là, je pense que ça va être long. Le temps que je comprenne comment faut faire. C'était quoi là? Non. Alors, c'est chiant de débarrasser. C'est pas évident parce que il y a à la fois différentes profondeurs et. Bon, je sais pas nager donc de toute façon. C'est ok, ouais. La porte s'ouvre, oui, mais là du coup faut retourner au monde champignon. Trouver un champignon qui fait rigoler. Watcha! Je vais me faire bouffer. Donc la première, il y a de l'eau. Il y a 5 bouts de clé. J'en ai trouvé que 4, je pense qu'il faut savoir nager. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais non, j'en ai. Il m'en manque encore un, celui qui est sur la plateforme. Parce que celui-là, je sais pas comment on fait pour l'attraper. C'est la fameuse plateforme où je meurs. Et donc là, non. Juste. Je sais plus ce qu'était la porte d'en dessous. Ouais, oh, si, faut que je me mette à prendre des notes, ça va être compliqué, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Tu voulais faire, mais c'est chaud. Ben ouais, je pourrais l'attraper, mais je meurs aussitôt, alors il doit bien y avoir une astuce. Donc là, non. Ok, donc là, c'est bon. Non. C'est le fait... faire toutes les portes, hein, tant pis. Sont pas si nombreuses que ça au final. T'aurais peut-être une compétence pour planer plus tard. Ben ouais, je sais pas. Bon, ici je l'ai eu. Il doit y avoir un truc hein, où que dans mon inventaire, dans les armes. Bon, en ce moment j'utilise le fléau d'armes. Parce que en plus pour le pantalon, j'ai un pantalon bondissant. Alors qu'au départ, on commence avec un pantalon ordinaire. Le petit porcelet, ben on sait pas. Le boomerang. Ouais, trop bien. Ouais, j'ai le boomerang. Je veux bien essayer, mais... pas eu la patience, c'était chaud. Ouais, je sais pas. Après... Ah, on va essayer. De toute façon, je suis en illimité avec le boomerang. Ouais, hé. Voilà. Ouais, j'ai pas forcément la patience non plus, mais à force de se faire avoir. Voilà. Pour au moins dire je l'ai fait, bim. Par contre ça je sais pas ce que c'est hein. Le mur là. Oh, reviens. Non, je croyais que s'était passé un truc. T'as jamais voulu l'utiliser là. Il y a une porte là. Mais du coup elle est bloquée. Tu crois que c'est une porte? Je sais pas, il y a un bloc de béton, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Là, du coup, on est d'accord, je peux toujours pas y aller. Ouais. Ouais, le boomerang, je sais pas, j'en voyais pas l'intérêt, donc là, de toute façon, j'ai pas la clé. Ok. Voilà, on va remonter. Bon, bah, c'est cool. Voilà, si j'ai tous les bouts de clé, peut-être que le petit cochon avec le dessin sur le mur, il va me. Eh bien, qu'il y avait un truc. Du coup, je vais m'amuser avec. Est-ce que j'irai pas sauvegarder là? Parce que je vais avoir fait toutes les portes de la façade. Je crois. Je vais vérifier. Ah oui. La somme. Ouais, pas longtemps alors.
Bah. Ouais, j'ai fait toutes les portes de la façade. Je peux redescendre. Et... Oui, je suis à l'accueil. Très bien. Ah oui, c'est Space. Ah, du coup, ok. Alors, oui. Donc, j'ai fait toutes les portes de la façade. Je vais aller faire les autres façades. Je l'ai eu et mon perso s'est accroché au pixel près sur la plateforme. Ouais, l'œuf qui brille. Je vais aller voir. Il va être dans les autres portes et peut-être qu'on aura quelque chose avec celui... Je sais plus où est le cochon avec son... Comment ça s'appelle? Vous savez, avec son dessin sur le mur. Il y a un joli dessin sur le mur. Il est pas là, hein. J'ai fait toutes les portes. Donc, on va changer de face. C'est là-bas. J'ai l'impression qu'on peut descendre, mais... 400 000 points, donc bon. 250 000... Ah oui, quand même! Ah oui, t'en as quand même pas mal. Remonte. Un, deux, trois, quatre. On va atteindre le million. Ah ouais, c'est chaud quand même. Là, il y avait la petite clé. C'est lui? Non. Ah, c'est l'œuf magique. Bah, du coup, il est plus magique. Et donc? C'est tout? Je m'attendais à quelque chose quand même. Le million, ah, c'est chaud le million, le million. J'avais pas compris. Pas assez d'expérience, est-ce que j'en ai assez maintenant? J'ai brisé le sort, donc du coup je peux retourner voir le vieux. Tu crois que c'est ça? Encore deux énigmes comme ça. Ouais, effectivement, tu fais vite à le choper. Hein. Oh, joyeux flamme reçu, pouvoir rouge, quoi? Ouais, j'ai pas le temps de lire. Joyau flamme. Un joyau avec le pouvoir des flammes. Dois-je l'équiper? Oui. J'espère que ça s'en va pas. J'espère que c'est pas temporaire comme connerie. Non, ça a l'air permanent. Je vais pas l'équiper tout de suite, je vais attendre d'aller voir le vieux. Talon, clé centenaire, boomerang. Ah bah non. Équiper boomerang en bois. Pourquoi il fait toujours le feu? Ok, bon. On saura ça plus tard. Le vieux l'était avec la vieille porte en bois. Bref, la vieille porte en bois, elle est là? Non, elle est en bas. Donc. Du coup, je sais même plus où il est l'autre. Non, mais l'autre, va où toi? Je sais même plus où il est le cochon avec son... Monte, 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 et tire-toi. L'autre avec son dessin sur le mur. On se souvient même pas. Peut-être que je redescends. Ah, bah voilà. Ah, tu es revenu. Le vieil homme centenaire a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Il avait également raison. Tu veux donc en savoir plus sur les vilains cochons? Pas vrai. Ils utilisent des pouvoirs magiques puissants capables d'ensorceler un pays en entier. Mais il leur faut une immense quantité d'or pour produire ce type de magie. Ils doivent sûrement stocker tout cet or quelque part. Si tu trouves cet endroit, je suis certain que tu trouveras le bracelet de ton grand-père. Ah oui, donc ça, j'ai brisé l'œuf magique, c'est terminé. Voici un cadeau pour toi, c'est la clé millénaire. Elle permet d'ouvrir tous les coffres à trésors millénaires. Oh, la taille de la clé. Oui,
Tu trouveras dans un coffre millénaire ce qu'il te faut pour franchir le mont Phoenix. Je crois l'avoir laissé au mont Phoenix. Mais souviens-toi, il te faut une technique spéciale pour franchir les grottes de lave. Tu devras aussi te méfier des flammes dans les grottes. Tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas trouvé et enfermé le cochon qui a jeté ce sort. Ah oui. Le sac du cochon vert t'indique l'entrée. Le vilain cochon, cherche-le dans les grottes de lave. Je le vois dans tes yeux, tu seras très fort, ne perds pas ton courage. D'abord, il te faut escalader le site de Torche Solaire qui se trouve près d'ici. Tu verras une autre énergie. Après, tu devras utiliser tes propres forces pour trouver ton chemin. Et... oh putain, j'ai cru que le jeu était bloqué. Les joyaux de feu... ouais, je sais pas. J'ai pas compris le feu de protection. C'est sûrement un truc genre... eh, hey, c'est cool, ça désactive le feu, tu vois, je sais pas. Signé comme avec le premier vieux. Je sais pas. Ouais, c'est, oui, petite cinématique. Tous les coffres bleus. Ah, cool. Fais attention à toi. Tu rencontreras là-haut certains de mes ennemis qui pourront... de mes amis qui pourront te venir en aide. Mais méfie-toi du vieil homme des 10 000 ans. Mmh. Centenaire, millénaire, 10 000 ans. Ah oui, 10 millénaires, ça se voit dire quoi. Il n'est pas méchant, mais... enfin, tu verras. Il est un peu dingo. Bonne chance. Fais attention à toi. Tu rencontreras là-haut. Ah, c'était au cas où des fois... est-ce qu'on va rencontrer un homme sans millénaire? Passer à côté de ce jeu, il est de quelle année? Attends, je vais regarder, j'avais posé la boîte à côté. Je vais juste mettre pause, faut que je pense à enregistrer aussi. Disons que vu le prix du jeu, et vu que la boîte, je l'ai en version avec le petit autocollant, je soupçonne qu'il a été recollé, mais je sais pas, il est un peu bizarre. Bon après, c'est pas grave, il est propre. Je pense pas, ou alors il a dû essayer d'être décollé. Et la façade d'avant, elle est un peu pétée. Je vais pas y toucher. On est d'accord? Je vais pas y toucher. Ça me va très bien. Et en fait, le jeu, il est de 97. Mais moi, c'est pareil. Hein. Je suis passé à côté. C'était pas... Ah, j'ai presque envie de dire... C'est gentillet comme jeu, mais... face à un Tomb Raider, un Resident Evil... quand on découvre les jeux, qu'on passe de l'ère 16 bits... des trucs. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus. Adulte, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de le dire comme ça, hein, mais. Champignon ordinaire, papillon, miroir sel, cloche centenaire. À quoi c'est un fromage? Le fait d'en avoir beaucoup occasionne des événements spéciaux. Ok. D'accord, donc là j'ai bien le joyau aux flammes. Il a pas équipé là. Ouf! Super saiyan. Rien compris. C'était pas par là, si... non, si c'était par là, ouais. Je sais toujours pas où il est l'autre avec son... non mais oh! Non, mais oh! Voilà, je voulais faire ça, et ça me fait descendre, et comme ça, je vais sauvegarder! C'est sûr que ça aille. Le vieux des 10 millénaires, 100 millénaires, encore vu, ouais. C'est ça. Enregistré, oui. Et c'est pour ça, je pense que... bah, du coup, le jeu, il est mignon. Mais... touche annulée. Choisis un bloc, écrasement. Là, j'ai pas le choix. Parce que j'ai plus de place sur ma... oh. Ça ira. Un sac cochon qu'il faut mettre un des 7 cochons dedans, mais j'ai même pas vu le premier cochon car je sais pas où il est. Bah je suis comme toi,
J'ai 3, 4 sacs là, je sais pas du tout ce qu'ils entendent par mettre les sacs à cochons, je sais pas ce que c'est. T'as le vieux 1 millionième nerf d'année. Après, oui, ça m'étonne pas. Hein. Bah, tu vas en avoir, je sais pas, 4, ça me paraît. Alors, je voulais retourner. On va essayer le truc avec les. J'aurais bien tenté d'aller faire le. Ça va, la manie. Ah bah si, c'est bon. Donc j'ai bien le boomerang et... Ok, d'accord. Non, non, c'est bon. Reviens, c'est rond. Dans les derniers, je suis allé m'aventurer à 1 heure de chez moi pour choper des jeux PS1 et Dreamcast dans une boutique indé. Ah, c'est cool ça. Car par chez moi, il n'y a plus grand chose. Ou alors les prix sont ouf. Ouais, c'est pas évident. Hein. 8 cochons à choper, 7 genres des généraux et le dernier big boss final. Ah, oh, ça va être tendu, mais bon. Je l'ai posté plus haut. Ah, j'ai pas vu. Vas-y. Et hey, ils sont chauds en fait, à attraper. Par là, il n'y avait rien. Ouh. Ouais, les plumes, super. Ah, ils sont là tous les deux. Et le deuxième. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, mais tant pis. Vas-y, elle se casse en fait. J'ai vu quelqu'un faire ça dans une soluce, mais... Entre voir quelqu'un le faire et le faire, il y a un monde quoi. Il n'y avait pas quelqu'un à un endroit qui me filait des pommes. Hein. Ben, j'ai qu'à aller voir les coffres en même temps. C'est déjà dans mes capacités, maintenant je cours. Avant je courais pas. Ouais, mais je peux pas cliquer. Que je trouve, c'est un code sur la couleur des cheveux. Vous voyez, oui, je le vois. Attends, je le vois, mais pendant que je joue, je peux pas cliquer. Moi, remarque, solution, ne finissez pas le jeu cache-cache avec Yann. Hein, on n'est pas faire la maison à remettre 13-9. Qu'est-ce que c'est? L'effet, la solution de tombe. Ah, ok. Ne prenez pas la tomate bleue près du cochon de la forêt où tout débute. Hein? Dessus pour obtenir une mission. Bah ouais, mais ils sont rigolos. Il y a longtemps que je l'ai fini, moi, ce truc-là. Ne cassez pas le baril. Quoi? Pointu sur le ponton branlant car il sert pour une mission. Retirez ses pointes. Oui? Bah ah oui. Bah, c'est bizarre, c'était quoi la mission? Les cloches, ça sert de quoi? Ça évite de gaspiller les ailes pour fast travel. Ah, ok. C'est là que j'ai eu Night Mercatures. Hop, mais sans notice à 5 euros. Ouais, bon, après, ça se prend quand même, quoi. L'Oréal changeait le perso. C'est Barbie chez la coiffeuse qui aurait dû jouer. Alors. De toute façon, une fois que je suis dessus. Vas-y, vas-y! Deadly Skies, Unreal, Toy Commander. Ah, c'est cool, des petits trucs sympas. Alors, bon, on y va. Hein. Allez. C'est ça, marre-toi. Une vie. Du coup, les. Non mais sérieux quoi. Comment je vais pour l'avoir du coup. Earth Defense Force sur SNES, je connais pas. Oh. Du coup, je vois pas ce que je veux. J'ai une vie dans un coffre, mais... J'ai bifurqué sur YouTube, mais je reviens vers toi bientôt. Ça marche, Gordon, à très vite.
Ça marche, pas de soucis. Merci en tout cas. Moi, je savais pas si t'étais encore là, bah c'est cool. Bon. Hésite pas à repasser, je serai sûrement encore au même endroit. Enregistré, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Il y a une partie pour les sacs à cochons. Ah, d'accord. Ok. J'en ai deux, trois. Regarde. Après, c'est compliqué de dire une solution en même temps que de jouer. Faut savoir laquelle. Le sage centenaire. En contre, le sage centenaire. Sac du cochon bleu. Ah non, j'en ai qu'un. Ah non, d'accord. J'ai le sac du cochon bleu. Bah, j'en ai qu'un. Parce qu'en fait, j'ai les missions. Ah, d'accord, ok. Je fais ça, c'est le menu rapide. J'ai fait. Donc c'est ça. Rangé par couleur. Ah, ok. Et en fait, dans les missions, j'ai le sac du cochon souris, le sac du cochon hanté, le sac du cochon ombrageux. Ça, c'est trois missions que je dois faire. Mais je sais pas comment. Le cache-cache, tiens, ils en ont parlé dans la soluce. Surtout, ne finissez pas le jeu de cache-cache avec Yann avant d'être allé au village caché. Car vous ne pourriez pas faire la mission à remettre 13-9e. Ok, mais il faut le savoir, quoi. Oh, alors, oh. Qu'est-ce qui mijote? Ok, bah non, il y a des missions comme ça. L'aîné des nains, donne, utilisez-le chez le vieux dame. Ah bah j'y suis pas encore. Ouais, effectivement, je suis pas prêt de l'utiliser. Je suis à 5. Du coup, j'en suis où là? Le vieux, je suis allé le voir, on est d'accord. J'avais sauvegardé après, t'es allé le voir. Il y avait rien en haut. En bas à gauche, y a rien là. On dirait. Ah oui, je vais retourner dans le dans l'inventaire faire du tri. Le sage centenaire. Les œufs coca ramassent les poussins à l'intérieur, c'est fait ça. Ah oui, c'est beau par couleur. Cloche centenaire. Demain, c'est quoi? Demain? Demain, demain, demain? Demain, c'est quoi? Ah oui, demain, c'est mon anniversaire. Sur un jeu vidéo, mais ça reste vaste quand même. Ouais, c'est chaud, hein, quand même. Ah, sur... Ouais, je le récupère et que je regarde... Après, ouais, elle est bien la soluce. Merci, Titicraft. Ah! Non! Il me débarrasser des monstres. Là. Revenez, les gars, là. Je vais essayer les monstres, hein, mais bon. Un peu relou, hein.
Non. Oh, évident à choper en plus. Le vise pas là, je le fasse plus près. Ah bah merci Ricadada. Mon faux modem PS2. Ah oui. Non, bon, le mec, il jette sur les pics. Mettre un disque dur dedans. Ah, ça serait cool ça. Bah, je pense que tu dois être sur les rétro gamers réunis. Qu'est-ce que je fais là? Pour regarder ce que ça vaut. J'imagine que ça fonctionne bien comme un officiel, non? Oui, je l'ai eu. Mince. Non, il y a une plante, je veux pas la voir là. C'est un peu casse les fleurs là. Il n'y a pas un coffre en bas. Là. Vous excitez pas. C'est quoi ça? Champignon ordinaire. Le coffre là-bas, je peux pas l'avoir. Non. Bon, je serre les fesses là. J'aime pas les trucs où il y a du vide comme ça. Oui, il va pleurer longtemps, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais. Oui, il y a un petit coffre bleu. Très bien. Une cloche millénaire reçue. Je sais pas à quoi elle sert. Oh non, c'est un champignon qui pleure. Non! Non, mais non! Oh, fais chier. Déjà? Ouais, mais non, je voulais une vie, moi. Ah, du coup, il n'y a plus de coffre, quoi. Oh, laisse tomber. Les trucs où il y a des plateformes dans le vide comme ça. J'ai tenté en même temps. C'est pas comme si j'étais habitué. Au bout d'un moment, je vais y arriver. Hein. Quand tu as joué à des jeux PS1 auxquels tu avances, tu avais joué à l'époque. Est-ce que tu trouves qu'ils sont plus faciles ou plus difficiles qu'à l'époque? J'arrive toujours pas à finir Heart of Darkness, donc au final... toujours pareil. Plus difficile, non. Je trouve pas forcément plus difficile qu'à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tous les monstres, là. Non, bon ça c'est fait. Oh,
combien de fois faut les taper les bestiaux là. Il me semblait qu'il fallait les envoyer l'un sur l'autre, mais. Après, je sais qu'à l'époque. Il y a des jeux, on va dire, on avait peut-être plus de patience à l'époque. Je sais pas. Mais je suis sûr qu'il faut les envoyer l'un sur l'autre, mais. Enfin, je crois. Il se casse l'autre à chaque fois. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Après non, par contre ce que je trouve c'est pas ça. Les entrechoquer, mais ouais c'est ça hein. J'arrive pas en fait à les choquer. Je l'ai vu le faux truc car plus envie d'enrichir les revendeurs pour un jeu 200€, un Dark Chronicle et 180€ hein. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, 180 balles? Non. Sur PS2? Non. Celui avec les photos et tout? Non. En arrivage de PS5 en fin d'année, je songe à présent à la préco pour avoir un Gran Turismo 7. Ah oui! En fait, la PS5, il y en a beaucoup qui depuis le temps... C'est pas ça que je voulais faire... disent beaucoup alors je voulais il est là disent beaucoup ah je vais la prendre en fait ben mais à chaque fois d'être devant de dire ah ben, je peux pas parce que là elle est pas dispo en fait c'est ce que j'avais dit avec Couple of Gamer c'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment au final si tu la précommandes bon bah tu finis par l'avoir de merde. Vas-y. Ah mais c'est de l'autre côté qu'il fallait l'avoir. Il se casse en fait. Hein. Ah ou alors. Ok, je vais tenter un truc. Ouais. Bon, il faudrait que les deux soient là par contre. Hein. J'ai l'impression qu'il faudrait. Genre, il y en a un, il faudrait lui masquer les yeux. C'est pas ça. Vas-y. J'aurais pu l'avoir. Vas-y. Non, ça va dans l'autre sens. Bordel. Ouais. Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à les entrechoquer. Au moins une fois. Mais si je me fais toucher une fois, je suis mort. Et je sais pas si j'ai des trucs pour éviter de mourir. Du coup... Il y a plus les coffres, là. J'ai pas pris les coffres, là. Ah bah non, ils sont là, c'est normal. Ouh. Ah, le v'là quand il devient fou, le perso. Il s'est mis à courir tout seul. Ah, là, c'est bon. Organiser une compétition Gran Turismo en live en jouant avec ou contre toi. En fait, c'est vrai que j'aurais dû le faire, ça. J'ai pas pensé à créer de salon. Parce qu'au final, je jouais sur le comment dire, le Le championnat allez. Le championnat. Oh, je vois rien.
Il y a un champignon là. Ah, c'est pas ça. Le championnat Clio Trophy. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à proposer à d'autres de participer. Voilà, là je vais redescendre, je vais pas me faire avoir deux fois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Reste pas là, reste pas là, reste pas là. Je l'ai attrapé en plein vol. Ah, c'est bon, je suis toujours en train de rigoler. Oui, c'est bon. Je peux retourner faire la porte qui rigole. Mais bon, ça va. Les deux monstres, ils sont là. C'est bon. Allez, vas-y, trace, 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 trace. Oui, non, ça va, on a compris. Il n'y a pas d'obstacle. J'espère que je pourrai rentrer. Hein. Oui, je peux rentrer. De ta gauche, le nain qui te bloquait le chemin te laisse passer le coffre bleu. Ah bon? Te téléporter direct chez le sage millénaire maintenant. Ah bon? Pourquoi? RDZ pour Ready, Ready ou Coucou d'avant dodo. Hello Kofi, salut, comment ça va? Ah c'est cool, merci. Oh tu l'as fait toi le tombi d'ailleurs. J'ai cru voir... Ah car j'ai la cloche. J'ai cru voir que t'avais fait un live dessus, je sais pas si t'es allé jusqu'au bout. Je vais être franc, j'en chie un peu. ça va, écoute, c'est à part le jeu qui me donne un peu de fil à retordre, mais ça va. Avec Kofi, on devrait, alors j'espère que tu seras là aussi, je pense, j'imagine, hein, on devrait se retrouver, voilà, si vous connaissez pas Kofi, bah en fait c'est simple, tous les matins, peut-être pas tous les matins, mais dès 8h, vous pouvez le retrouver avec un bon petit café, voilà. C'est pas ça. Et c'est pas la bonne. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et du coup, il stream sur Twitch. Voilà. Régulièrement, vous pouvez le retrouver. Très sympa. Voilà. Un peu le début, mais le système de vie est assez frustrant. Ouais, c'est un peu. On est d'accord. On est d'accord. C'est un peu chiant. Bon, voilà. J'arrive à cette porte-là. Allez, vas-y. C'est bon. Vas-y, voilà. Fais un sourire. En tout cas, c'est cool. Merci beaucoup, Kofi. Ça me fait plaisir. Alors, pour la cloche... On va voir, regarde. Je me prends la tête avec ce truc-là. Ok, on monte. Grand panneau à clé numéro 5 reçu. Bon, ok. Bon, bah du coup, on ressort, alors. On ressort. J'aurais bien aimé sauvegarder. Mais du coup, on est sûr qu'il n'y en a que 5. Il y a un panneau, il y a un panneau, il y a un panneau, il y a un panneau. Non, mais arrête de te marrer. Il y a un panneau, j'ai une vie, je vais sauvegarder. Bon, je pense que je vais pouvoir sauvegarder. Je vais prendre la deuxième. Mettre ça là. Tant pis, j'aurais que deux vies, mais... Voilà. Voilà. Oui, et puis si je vous parlais de Kofi, c'est parce qu'en fait, ben, il fait du stream, je vais essayer de retrouver... Bon, faudrait que je prenne un champignon normal. Pas que sur du jeu récent, parce qu'il a... Ouais, mais j'aime bien quand il rigole, pourquoi j'ai envie de prendre un champignon... Ah en fait, Kofi, je l'ai découvert avec... il était en train de streamer sur le premier Tomb Raider. Voilà, tout simplement. Hé, qu'en penses-tu? Quelle peinture étrange, on dirait qu'il y a une sorte de fente ici. Je me demande si on peut y insérer quelque chose. Ah, bien y réfléchir, il existe une porte avec un large trou de serrure dans ce bâtiment. Je me demande si cela a un rapport avec ça. Non, mais... Est-ce que je peux lui donner? Non. Il n'y a pas de porte avec un grand dragon. J'aime bien quand il rigole. Bon, on va prendre un champignon qui fait guerre. Mais j'aime bien. Clé centenaire, clé millénaire. Le champignon ordinaire, j'en ai qu'un. Bizarre. Ouais. Ou alors c'est infini.
Il faut être dessous de la clé. Tu crois? Ah oui. Ah vache. C'est quand même farfelu, hein. Les mecs, ils y mettent pas beaucoup d'huleur, hein, quand même. au moins tous les morceaux. Je peux pas trier autrement, là. Je vais m'emmerder à avoir les trucs tout le temps dans le menu d'après. Oui, c'est bon, là. Non, j'ai rien compris. Alors, on est d'accord que le gars, il dit « Oh là là, il y a un truc avec un panneau de clé ou je sais pas quoi, mais c'est là le... » On comprend rien à ce qu'il raconte. Donc là, on est d'accord, j'en ai pas besoin d'un autre morceau, on a tout. Yeah, yippee-ki-yay ! Peinture d'une grande clé. Bienvenue ! J'ai reçu la grosse clé. Donc si j'ai reçu la grosse clé, je peux aller faire la porte avec la grosse clé. Merci beaucoup, Kofi. Bonne soirée à toi. Bonne nuit. Le jeu, on a dû le faire entre vendredi et dimanche soir. Oui, on est d'accord, hein, que effectivement, ceux qui avaient fait le jeu, c'était assez pété. Clé, pour moi, elle est... C'est quand même... Il y avait le salon du saké qui devait être à côté. Là, il y a pas une porte. Faut que je prenne... Je sais où faut que j'aille. Ça doit être en façade. Ça me ramène avec la fameuse plateforme, là, où j'ai utilisé mon fameux boomerang. Mais je pense que, ouais, effectivement, il y avait le salon du saké. Non, descends. Oui. Est-ce qu'il serait pas là? Vite, avant que le piaf me saute dessus. Vas-y, voilà. Oh la vache. Ouais, c'est ça. Alors, la grande clé, là, en bas. Vous voyez, comme quoi, je... Bah, j'appuie sur le bouton, bien sûr. Mais bien sûr. Fais ça, Cyril. Jette-toi dans le vide. Voilà. Donc là, la grosse clé, elle est là. La petite clé, c'était l'autre là-haut. Yabadabadou. Voilà. Grand trou de serrure. Y a-t-il dedans? Par contre, je sais toujours pas comment on met la pompe en route dans le village. Hein. Le combat que j'ai fait un gameplay dessus, mais au moins, on le prend pas au sérieux. Ouh la vache. Sauvegarder en bas, du coup, ça devrait le faire. Clé, machin. Oh putain, j'aime pas les rondins. Ah, voilà, j'ai dit que je les aimais pas. Ah, ça va, je meurs pas. Voilà. Ah, mais non. D'accord. Donc voilà, c'est fait. Un gameplay dessus, mais au moins, on le prend pas au sérieux. Ah oui, le jeu de combat, le... Comment il s'appelle? J'ai le nom en tête en plus. Ouais. Goddess quelque chose. Ah putain. C'est relou ces trucs là. Hein. Twin Goddesses, voilà, ça me revient. Saute en haut, mais saute en haut.
c'est pas leur truc, hein, les plateformes là. Ah, c'est Twingo de Seas. Allez, souhaitez-moi bonne chance, il n'y en a plus qu'une. Tout ça pour un coffre à la noix. Sac du cochon hanté. Ah bah le voilà. Je sais pas vous, mais là... Le manoir hanté. Est-ce que je peux sauter en bas à gauche, là? Oui, je peux. Je peux et je le fais. J'aimerais bien des pommes, là. Pas comme Chirac, hein, mais des pommes, vous savez, comme... Les trucs qui vous redonnent un peu de vie, là. Ah! Je suis où dans le jeu, là? Ah oui.